Salut à tous, c'est Norignos et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Ça faisait terriblement longtemps et aujourd'hui je suis en compagnie de mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Et c'est une vidéo un peu particulière vu qu'on va vous montrer des choses. Et voilà, comme vous le savez peut-être, Minecraft en ce moment renaît de ses cendres. C'est assez incroyable, moi ça me fait Avec plaisir. le confinement surtout. Avec le confinement, il y a pas mal de gens qui se mettent à y rejouer aussi. Et du coup, nous, depuis quelques années maintenant, on s'est fait un petit serveur, on a commencé à faire deux, trois petites choses. Là, pour l'instant, vous en voyez un petit aperçu. Alors, Petite franchement, c'est chose, pas on a grand-chose peut-être parce pas qu'on l'a mal de fait à trucs, hein. deux. Oui, qu'est-ce que tu disais? On a déjà fait quand même pas mal de trucs parce que deux, trois petites choses. Ouais, enfin, on était qu'à deux. Donc, il y a pas mal de choses, mais pas trop, trop non plus. Donc on a fait cette ville d'abord, qui n'est pour l'instant pas très grande, il n'y a que quelques maisons. Et c'est la ville qui sert de spawn, c'est Spawntopia. Voilà, je ne te vois plus en revanche, mais ça c'est pas trop Je suis là, je grave. suis là. Je te suis, hein. Ok, donc Spawntopia c'est la ville où vous apparaîtrez. Donc ici vous avez le tableau des règles, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez les lire, etc. Parce que oui, ce sera un serveur ouvert au public. En revanche, alors, je préfère prévenir tout de suite, c'est un serveur sur un hébergeur gratuit qui s'appelle Aternos. Je vous le recommande. Mais le truc, c'est que le serveur n'est pas ouvert 24 heures sur 24, du coup. C'est pourquoi j'ai aussi un Discord. Et sur le Discord, du coup, on peut parler, on peut demander, est-ce que tu peux ouvrir le serveur, machin, il n'y a pas de souci, je suis tout le temps connecté sur Discord. Ça ne pose aucun problème. Du coup, le lien du Discord sera dans la description et vous pourrez le rejoindre, ça sera génial, on fera la fête. Donc, on va vous montrer un peu ce qu'il y a sur le serveur. Donc là, nous avons la mairie qui est pour l'instant vide. Si vous êtes bon pour faire les intérieurs, putain, venez parce que les intérieurs, va falloir en faire. Ouais, les intérieurs de mairie, c'est pas mon truc. Voilà, donc il y a des intérieurs qui sont faits, comme dans ces deux maisons-là, par exemple. Et je crois qu'aussi de ce resto-là c'est fait. Mais on Oui, fait. ça Non, c'est là fait. c'est pas fait non plus. Mais on fait surtout des Ah non. extérieurs en fait. Ah merde. Voilà, donc là c'est la ville de départ. On va vous montrer un peu la suite. Pour ceux qui étaient sur. Comment ça s'appelait? Le serveur qu'il y avait avant avec Joie et Volupté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas. Avant, on était sur un autre serveur, dont je me rappelle plus le nom, Horrorcraft, Beaucoup où on plus était pas mal gros. nombreux, c'était vachement bien, on s'éclatait, mais depuis le serveur n'existe plus. Et bah c'est un peu une Malheureusement. suite spirituelle, j'ai envie de dire. Plus ou moins. C'est. Voilà. Ah oui, Et cette donc. maison-là, il y a des meubles dedans, si vous voulez la Voilà. visiter. C'est moi qui l'ai faite, intérieur comme extérieur. Voilà, donc il y a pas mal de choses à visiter déjà. Il y a même des fenêtres par lesquelles on peut rentrer maintenant. Avec la nouvelle mise à jour, on peut s'accroupir suffisamment pour rentrer dedans. on n'a pas beaucoup de plugins pour l'instant. On a World Edit, si je dis pas de conneries, qui marche encore. Oui, il marche encore. Et avec Parce qu'avec les mises à jour, on a eu quelques bugs. Avec un process qui arrive bientôt, par contre, ça risque de plus marcher pendant un petit temps. Mais bon, on s'adapte avec les slash fill. Alors, par là, si je me trompe pas. Il y a les restos du cube, donc pour ceux qui se souviennent, alors ça a pas mal changé, hein. C'est devenu une grande pagode, enfin non, un grand château, stylé japonais. Alors il n'est pas fini encore, c'est un début, c'est inspiré de je ne sais plus quel château, je crois le château d'Osaka si je dis pas de conneries, il est possible que je raconte des conneries. Osaka que tu avais pris comme inspiration. Voilà, Il y a déjà quelques trucs qui ont été faits. et donc ici c'est l'endroit où il faudra aller pour débuter. Donc il n'y a pas encore, mais il y aura un petit coffre ici qui vous rapatriera tous les objets qui sont farmés à l'intérieur et vous pourrez prendre totalement gratuitement sans aucun frais. Alors bien sûr, c'est des objets qui peuvent être farmés à l'infini, donc vous attendez pas à trouver des diamants. Même si je me demande s'il n'y a pas moyen de farmer des diamants à l'infini maintenant. Non. Mais là, en l'occurrence, ce sera surtout de la bouffe en fait. Donc pour commencer, ça fait toujours plaisir. Ou peut-être de la cobblestone aussi. Je crois qu'il y a moyen de faire des fermes à cobblestone entièrement automatisées. Alors ensuite, bon, je vais vous montrer un peu notre système de lien entre les univers, parce que ici, donc, Spawntopia, c'est un peu moyenâgeux, voilà, mais on n'a pas que cette ville-là, bien sûr. Donc ici, on a dans chaque zone majeure, on a
une petite zone où on peut se téléporter à Glitch City. Glitch City, Quoi, c'est dans le sol, c'est bizarre. pour ceux qui ont déjà vu le Let's Play de Bob sur Valhalla, par exemple, c'est le nom de la ville de Valhalla. Donc c'est un peu. Ce sera une ville futuristique. Pour l'instant, il n'y a que trois immeubles, donc on ne vous montre pas tout de suite, il n'y a pas grand-chose à voir. Et on va donc vous montrer les choses principales. Alors, on va vous montrer d'abord la ville égyptienne, parce qu'on garde le meilleur pour la fin, vous verrez très vite que c'est le meilleur. Donc la ville égyptienne, allons-y tout de suite, si j'arrive à rentrer. Je pense que je vais changer les D'accord. portes aussi, Ouais. on va faire quelque chose de plus simple pour rentrer. On a fait un truc assez sécurisé pour éviter que les personnes au mauvais endroit se téléportent à l'endroit où elles ne veulent pas aller. Voilà, on arrive donc à la ville égyptienne, qui elle aussi n'est qu'un début, hein. On a fait beaucoup de débuts et très peu de fins. Mais vous C'est verrez vrai. le clou du spectacle bientôt. Donc, ici, donc, on a nos petites maisons. Vous pourrez bien évidemment choisir une ville où vous vous installez, hein. Alors, il n'y a pas encore de limite de taille de construction. C'est-à-dire, dans certains serveurs, vous avez une limite où, par exemple, on vous donne une zone de 16 par 16, un chunk en fait, et vous construisez ce que vous voulez dedans. Là, vous pourrez construire un truc aussi grand que vous voudrez du moment que ça respecte le thème. Donc, ici, on a une petite ville inspirée de Zelda Breath of the Wild, qui est pas encore finie, mais qui est pas loin d'être finie, hein. C'est C'est pas mal, voilà. hein? Voilà. Aussi, le mode créatif. Alors, vous pouvez avoir accès au mode créatif. Donc, il suffit de demander en fait, mais faut que vous respectiez le thème de l'endroit où vous construisez. Si vous voulez construire un truc qui ne respecte aucun thème, on peut vous allouer un autre endroit, il n'y a pas de souci. À savoir aussi pour les griffeurs, la map est sauvegardée régulièrement. Donc pour ceux qui griffent, il faut savoir que eh ben, vous serez Ça banni, sert à rien. évidemment, et qu'on récupérera notre map, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, donc ça. La pyramide aussi, elle n'est pas encore tout à fait finie. C'était surtout pour le beacon qu'on l'a faite. Je crois que t'as laissé ton chien ici. Ah non, c'est le mien. Merde. Autant pour Ah moi, non, c'est le non, mien. c'est le tien. J'ai Moi, je mets toujours abandonné des mon noms à mes chien en chiens. haut de la pyramide. Il y aura probablement un labyrinthe avec une récompense à la fin. Je ne sais pas encore, on verra. Voilà. Donc ensuite, Alors, qu'est-ce les qu'on doit diamants. montrer? Je regarde, j'ai ma petite feuille de notes. Enfin, ma petite feuille, mon doc de notes. À côté, on va retourner à Glitch City. Ah oui, il y a le. Alors, je vais pas dire le mot parce que sinon ça va spoiler. On va sortir. Je t'invite à te téléporter sur moi quand tu pourras. Alors, on va passer. Là, vous voyez, c'est très mal terraformé encore. C'est normal. C'est parce que cette ville va probablement être déplacée par la suite. Ici, faudra re-terraformer ensuite, du coup. Là, alors là, c'est la zone du début où on a fait un peu de la merde. Hein, je dois vous l'avouer. C'est D'accord, ok, pas le mal. moment où encore je me disais, cette partie-là, ce sera du survival. Et du coup, on a fait un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on rarrangera ça par la suite. On a plein de projets. Donc là, c'est un petit village qu'a construit entièrement mon frérot ici présent. Voilà. Donc vous avez des villageois avec lesquels marchander, il n'y a pas de Héros. souci. Je crois que on peut aussi s'installer ici, non? On peut aussi. La Ouais, zone est il y a deux, très trois maisons. gratuite. Alors, on n'a pas encore vraiment de système de monnaie. On ne sait pas encore si on va utiliser les émeraudes comme c'est voulu dans le jeu ou pas. On verra en vrai. Plutôt utiliser des pépites d'or. Ouais, enfin, en vrai, les pépites d'or, c'est hyper facile à farmer dans le Nether, donc je sais pas. On verra ce qu'on Mais je pense utilisera. que je ferai des trucs cohérents au niveau valeur d'un objet. Voilà, alors si on se dirige dans cette direction, on n'a pas encore fait de TP pour là-bas, faudra qu'on en fasse un. Je vais remettre le temps à zéro. Et donc si on se dirige par là, j'espère qu'on va réussir à le trouver, à pas se paumer. Ah, là il y a ton manoir. Donc déjà je pense qu'on se Ouais, bon, rapproche j'étais pas pas mal. extra. Le manoir. Et est-ce que tu On avait fait un trouves... deuxième. Est-ce que tu as trouvé le temple? Donc, il est plus loin. Je Ouais, c'est continue bien ce qu'il me semblait. Est-ce que tu dans peux la même m'indiquer la direction. direction? Je suis paumé. On va faire un TP pour... Ah. Ah! Là, t'as C'est une pas. autre maison. Ah oui, ça, c'est la maison de thé. Elle est excellente. J'ai adoré la faire, celle-là. Ah bah, on peut Super bien visiter la maison décorée. de thé. Ah Voilà, ici, maison de oui. thé et méditation. Important. Quelques tapis.
des étagères, de quoi, bien sûr, faire du thé, et de quoi s'asseoir pour pouvoir boire le thé au calme, avec quelques décorations murales qu'il faudra protéger, sinon on Si, doit... il y a un petit dortoir avec des lits, mais bah, c'est à moi en fait. Enfin, Voilà. ce lit, le lit du haut est à moi, hein. Pas touche. Oui, parce qu'on se doute que tu vas pas dormir dans deux lits différents. Alors, on va aller jeter un coup d'œil au temple, mais je sais plus trop où il est, hein. Il est vaguement Je dans ce crois qu'il est. coin-là. Alors, faut savoir que la render distance est un peu limitée, c'est normal. C'est parce qu'on est donc sur un hébergeur gratuit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est sujet à changement. Hein, on va peut-être changer de serveur plus tard. Alors attendez, je vais faire une coupure ici parce que là je ne le trouve définitivement pas. Donc je fais une coupure et on se retrouve quand on a retrouvé le temple. Donc on a trouvé le temple. Juste à côté de ce trou de hobbit, nous avons ceci. Voilà, un temple qui est lui aussi inspiré d'un autre temple. Je crois qu'il est aussi à Osaka, si je dis pas de conneries. On ne s'est pas inspiré de Osaka. Donc l'extérieur est plus ou moins fini. On ajoutera peut-être encore quelques fioritures. Mais Mais l'intérieur, par contre, voilà, majoritairement fini. L'intérieur, bon, il y a un petit c'est truc, un peu mais pas commencé. grand-chose. C'est pas encore fini, mais on a pas mal de projets aussi. Notamment peut-être une statue ici. Je pensais à mettre une statue de Bouddha éventuellement. Ça peut être Pour pas mal. décorer. Voilà, donc ça, c'est le temple qui m'a pris pas mal de temps. Et derrière, j'aurais pu passer par la porte, mais derrière, vous allez donc. Une petite zone où Voilà. se relaxer, méditation, voilà, avec une forêt de bambou, des cerisiers, des pierres, voilà, de quoi se détendre. Plutôt cool. Alors, ensuite, alors aussi, si quelqu'un aime bien faire des chemins de métro, je suis preneur, parce qu'en vrai, c'est méga relou. Un salaire à la clé. Alors attendez, je crois que j'avais mis un truc de téléportation ici, si je dis pas de conneries. Et évidemment, je dis des conneries, je n'en ai pas mis. Bon, Ouais, non, est-ce que ici je ça devait pourrais être une faire chambre à la base. slash spawn? Non. Slash home alors. C'est la chambre des chiens. Je sais plus comment se TP. Je sais plus comment se TP. Je crois que c'est par là de toute façon. On va trouver le village moche. Oui, parce qu'on a aussi fait donc quelques essais avant en faisant des villages. Et là, on a un village qui est, en l'occurrence. N'est pas très beau, qu'on va probablement raser. Ouais, À mais côté. c'était pour faire des villageois ici. Voilà. On va probablement tout Bon, peut-être changer, qu'on le etc. laissera, je sais pas. Et le bateau, on va peut-être le remonter aussi un peu, parce que là, il est un peu bas. C'est vrai, il est un peu noyé dedans. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci avec World Lady, ça sera fait en un coup de carapeau. Alors, ici, on a un projet. Qui est pas mal entamé, mais qui n'est pas, qui est loin d'être fini. C'est censé être Ouais, quand même. Teldrassil, donc l'arbre monde. Donc on a fait le tronc, on a fait pas mal de l'intérieur. T'as dit quoi? Teldrassil. Yggdrasil. Autant Exercile. pour moi. World of Oui. Warcraft sort de ce corps. Ouais, je me disais. Donc, comme vous voyez, ça ressemble pas encore vraiment à un arbre, hein. C'est juste un gros tronc. On Mais va faire des plus racines, on tard. fera des branches en haut, évidemment. Voilà, on ajoutera des branches, on ajoutera des choses. Alors attendez, je vérifie mon petit fichier. Oui, c'est bon. On peut continuer par ce petit chemin qui va vers C'est pas le dessous de la fin de de cette plat. vidéo. Le dessous de la fin de cette vidéo, c'est pas facile à dire. Je ne le montre pas tout de suite. J'en connais un qui, s'il regarde cette vidéo, va être fortement réjoui. Par la vue de la build qu'on va vous montrer juste après. C'est pas ça, c'est par là. Et Autant c'était le pour petit moi. château qu'on avait fait, ça. Ouais, c'était pas mal aussi. Mais Ouais, bon, mais faut c'était une garder un peu de surprise. surprise pour les gens. Faut garder un peu de Je viens surprise. de Donc dire. si vous voulez tout voir, venez, venez, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Il fait aussi sombre ici. Ah, ça c'est une bonne question auquel on va répondre bientôt. Ah, donc c'était dans ce coin-là, voilà. C'était ça. Un petit sanctuaire Shinto que je n'ai pas fait, que c'est entièrement Moi mon qui l'ai père qui a fait. fait. Et il a très bien fait. C'était un très joli sanctuaire. Pareil, très, très, très asiatique, tout simplement. Faut savoir, c'est qu'il est inspiré du sanctuaire de Raimu dans Touhou.
Voilà, dans Toho, hein, je te rappelle. Je suis Donc, français. moi aussi. C'est pas une J'étais excuse, tu vas pas confiné, le donc j'ai du savoir. mal. Et ensuite, on va. Ouh là, on a vu un peu des choses en hauteur. Et ben, on va aller les voir tout de suite. Alors, faut savoir que j'avais fait un ascenseur pour y accéder. Or, cet ascenseur ne marche plus depuis la mise à jour. Donc, on va y aller dans une manière un peu plus traditionnelle si je retrouve l'entrée. Alors là, il y a le chemin, donc on peut suivre le chemin. C'est par là. Voilà. Et on va retrouver donc l'entrée de. Roulement de tambour. Clouddsdale! Alors, c'est pas la même Clouddsdale que j'avais montré il y a quelques vidéos. Hein. Enfin, il y a quelques vidéos, il y a peut-être plusieurs centaines de vidéos en vrai. C'était il y a très longtemps. Alors là, vous ne voyez pas le plus impressionnant, hein, vous inquiétez pas. Donc, Clouddsdale, C'est c'est une ville dans les nuages que nous avons donc fait. On a fait des petites maisons, on a fait un petit RP derrière qu'on n'a pas encore vrai. fini d'écrire non plus. Donc, ici, c'est l'île l'île où vous arrivez en premier. Contient le cristal qui fait flotter tout Clouddsdale. Ça, c'est dans le RP. Dans le lore. Ça, on Pas va détruire. certainement l'enlever, la grosse baguette de pain, c'est pas très joli. Ensuite, Clouddsdale, c'est une ville de savoir. Donc, on a fait une bibliothèque. Une grande bibliothèque. Voilà. Ça nous a pris pas mal de temps, mais on est assez fiers du résultat. Pas Où oublier que vous la magie voulez? noire est interdite. Voilà, la magie noire est très très. Et donc, ici, si vous aimez bien écrire des choses, eh bien vous pourrez prendre des livres, les écrire et les mettre ici, où une copie sera conservée en permanence, afin d'être sûr que personne ne les fasse. Et les gens pourront bien évidemment venir lire des livres que vous aurez écrits ou que quelqu'un d'autre aura écrit. Pour l'instant, Avec votre permission, bien sûr. Je crois qu'il n'y en a qu'un livre, si je dis pas de conneries. C'est Joue le coffre. l'Origin Story de Clouddsdale. Oui, c'est vrai. Il est dans un des deux coffres. Voilà. Elle est là. Donc si vous voulez la connaître, venez sur le serveur. Voilà. Aussi, il faut savoir, on recherche beaucoup de builders, en fait. Des builders, des admins, un peu de tout. Peu importe ce que vous savez faire, venez. On s'amuse. C'est la bonne ambiance. On se détend. Ensuite, le temple. Le temple, on ne pouvait pas refaire Clouddsdale sans le fameux temple de Clouddsdale qui ressemble un peu au Panthéon. Je voulais absolument le refaire. On l'a refait un peu plus grand parce qu'on s'est dit quitte à faire les choses, autant les faire bien. Alors, Et il est par contre, énorme. voilà, il est énorme, mais il est un peu vide. Il y a un grand siège au fond. C'est un peu vide. Ici, c'est pour montrer le centre du temple. Voilà. Moi, Et donc, on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on va y faire. Peut-être un dieu assis, on ne sait pas. C'est On moi. verra bien. J'ai envie de vous dire, ça c'est le grand projet de Clouddsdale, c'est le temple. Parce que c'est notre projet, je veux que vous, Partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre Ici donc on a la maison du prêtre qui fait aussi beaucoup partie du lore. Je crois qu'elle n'est pas tout à fait finie encore. Je Voilà, crois que y a si. beaucoup de choses pas finies comme je vous le disais. Ah, oui, à l'intérieur, il est un peu vide au rez-de-chaussée. Au Faudra y penser. rez-de-chaussée. Ah bon, j'avais bien quand même un peu commencé le rez-de-chaussée. Hein. Allez. J'ai fait deux trois petites choses. Je crois qu'il y a des trucs. Ouais, à l'étage, il y a des trucs. Ouais, à l'étage, il y a des choses. Je n'en montre pas trop parce que je veux vraiment vous inciter à venir. Je veux qu'on relance ce serveur, qu'on relance cette aventure qui était Horrorcraft. Je trouvais ça génial. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les pixel art, il y aura aussi une zone pour les pixel art qu'on a commencé. Il faut qu'on la retrouve parce qu'on a oublié de faire un TP vers cette zone-là. Ouais, Donc ça va, je c'est. sais à peu près où c'est. C'est plus Voilà. proche du manoir que j'ai fait. À savoir aussi que si vous voulez jouer en survival, c'est tout à fait possible aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour l'instant, on a des slots où j'ai limité les slots à 10. On peut augmenter par la suite si on vous le souhaite. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ici, donc, c'est la petite ferme. Et là, donc, quelques bâtiments. Ici, c'est. Attendez, je remets le jour. Ici, on a donc un petit marché. Ici, une maison, une autre maison. Et là, une brasserie. Voilà, où on fait du vin. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle une L'endroit brasserie, l'endroit où on fait du vin.
Une vigne. Non, Ah, terre, non, c'est un non. vigneron? Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Mettez-nous Et ça ici en donc. commentaire si vous le savez. Voilà, exactement. Et là donc un petit parc plage dans les nuages avec une vue imprenable. Vraiment au-dessus de la mer de nuages. Alors j'ai désactivé les nuages dans mes settings parce que ça faisait un peu en trop avec Lost Day. Voilà. Donc je crois qu'on a tout montré. Rattrape-moi si je me trompe. Ah, on a montré 5%, le reste c'est de la surprise. Ouais, c'est vrai quoi. Enfin, on a tout montré ce qu'on voulait montrer en fait. C'est ça que je veux dire. Parce que bien sûr, il y a plein de projets. On a plein de projets. Clovesdale, je compte encore faire plein de nuages. En fait, Clovesdale, je pense que c'est la ville qui m'inspire le plus. Vous voyez toutes les maisons qui ont été faites, le temple, la bibliothèque. J'adore vraiment cette ville et je compte en faire plein d'autres. Voilà. Donc si vous avez des projets, si vous voulez construire des choses dans Minecraft, si vous voulez de l'aide même, si vous avez des projets mais que vous vous dites ah ça je peux pas le faire tout seul, ce serait trop long, n'hésitez pas, venez, on va s'éclater, venez sur le Discord, on va faire la fête, ça va être génial. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Oui, un petit dernier mot pour ceux qui aiment le RP. Bah, j'ai créé une guilde et bah, faudra me MP si vous voulez en savoir plus. Voilà, une guilde sur le serveur. Donc, je vous remercie à nouveau. Voilà. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre un commentaire, tout ce que vous voulez. Et de rejoindre le Discord, surtout, comme ça on va s'éclater. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! À la prochaine.